Alors, on est sur votre... Vous êtes sur... de CareOS. CareOS. Donc, CareOS, c'est un logiciel, comme tout le monde l'indique, un système d'exploitation qui permet de connecter ensemble les objets et les services liés à l'univers de la salle de bain. D'accord. Donc, pour mieux contrôler ses paramètres de beauté, santé, bien-être de toute la maison, de toute la famille. Oui. Donc, je peux vous faire une petite démo sur le miroir, si vous voulez. Bien sûr, c'est ce qui attire l'œil. Alors, en fait, je vous explique, ça fonctionne avec la petite box qui est là, puisque c'est un logiciel. Mais nous, le miroir... Là, on l'a créé pour montrer toute l'étendue de l'expérience CareOS. Mais évidemment, ça peut fonctionner sur un smartphone, une tablette ou un plus petit miroir. La petite boîte, elle reste là, elle ne bouge pas. Elle sera pluguée. Elle va être cachée, bien sûr. Ah oui, on va pas mettre une box dans la salle de bain. Alors, ça fonctionne, je vais vous montrer, avec la reconnaissance faciale. Là, lentement. Et voilà, Hello Chloé, il m'a reconnu, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Voilà, donc le petit verrou que vous voyez là, c'est pour dire que de la même manière que la salle de bain, c'est la seule pièce à la maison qu'on peut fermer à clé, CareOS est un système entièrement verrouillé par défaut. Donc il n'y a pas de data qui se balade où que ce soit, rien ne va de là vers Internet. Mmh. Donc, c'est local. C'est absolument local, la boîte fournit un réseau privé local, les données sont stockées localement, pas de données partagées. Comme c'est le matin qu'on a envie de se préparer, hop, on peut régler la lumière. Donc là, je ne touche pas l'écran, je ne touche pas le miroir, donc je n'ai pas besoin de me sécher les mains, je ne fais pas de traces de doigts sur le miroir et je peux régler la couleur, l'intensité. Voilà. Je peux aussi, si je veux, écouter la radio en préparant le matin. Parce qu'un de nos partenaires, c'est Radioline, c'est le leader européen de la radio en ligne, 70 000 radios en streaming. Bien. Voilà, je vois qu'il est temps de m'en aller dans 25 minutes, donc même si j'aime trop ma salle de bain, je peux pas y passer la journée. Et ensuite, oui, vous en avez... il est synchronisé avec le calendrier si on le veut. Voilà. Ensuite, tu peux explorer les différents menus de la salle de bain. Si vous voyez, donc vous avez la santé, la beauté et ce qu'on a appelé eco-friendly, qui est plus l'environnement. Par exemple, on a un de nos partenaires qui est Hydrao, qui est un pommeau de douche connecté qui permet de contrôler sa consommation d'eau. On a aussi un tracker de qualité de l'air qui s'appelle Plume Lab. On a aussi ajouté un thermostat. Et voilà. Et là, je vous montre en beauté, par exemple. Et là, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le miroir. Non. Ne touchez pas. C'est... Vous vous rapprochez un petit peu quand même. Il y a des capteurs infrarouges sur le côté. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, en beauté, on a une intelligence artificielle qui permet de scanner un produit. Oui. Et là, il y a un tuto correspondant qui apparaît. Donc, je peux me maquiller pendant que je regarde le tuto. J'ai pas besoin de tenir le téléphone au-dessus du lavabo, risquer qu'il lui arrive des catastrophes. L'idée, c'est aussi de se débarrasser du smartphone dans la salle de bain. De la tablette, c'est une tablette. Ou du smartphone. Oui, du smartphone. Parce que pour regarder un tuto en se maquillant, c'est quand même pas super pratique. Oui. Voilà. Et une fois que je suis super bien maquillée, si j'ai envie, je peux faire un selfie. On peut même le faire ensemble si vous voulez. On peut choisir la couleur, rose. Je vous laisse faire. Bleu. Bleu ? Oui. Allez, on y va. Ah, voilà. Et je peux l'envoyer directement sur mon application. Ça part pas sur Instagram. Internet. Non, c'est depuis mon application, je le poste où je veux. Il y a en fait une sécurité, c'est donc ça passe d'abord par votre téléphone. Par l'application, exactement. L'application, vous avez une application, c'est vous appelez CareOS. CareOS. Et il y a une application CareOS sur Android et sur iOS, absolument. Je présume. Pour l'instant, c'est sur un iOS. Prototype, mais ça arrive très 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 bientôt. Donc c'est un miroir connecté. Alors, c'est un logiciel qui fonctionne. Vous l'appelez comment ? Via un miroir connecté. Oui. C'est le logiciel. Logiciel, oui. On a aussi une fonctionnalité en santé quand même qui permet de suivre l'évolution des grains de beauté. Donc, on n'est pas médecin, mais on peut donner une indication en termes d'évolution de taille ou de couleur. Et on peut voir l'évolution dans le temps. On peut photographier ces grains de beauté régulièrement et voir si la taille ou la couleur a changé. Donc, par exemple, pour celui-ci. Vous prenez en photo régulièrement devant votre miroir et puis il voit l'évolution de. Et donc pour celui qui est dans le coup, c'est quand même pratique de pouvoir le surveiller de cette façon. Oui, vous avez un déclencheur, j'ai vu, vous vous tournez et hop, c'est fait. Absolument. Je peux faire la démo si vous voulez. Parce qu'on a, en fait ce cas d'usage aussi, par exemple pour la teinture de cheveux. Pour ceux et celles qui se teignent les cheveux tout seuls, vous savez, comme c'est difficile quand on arrive derrière, donc là on peut prendre par exemple 4 photos et voir que là, on a oublié une petite partie derrière. Et là, je vous fais la démo, hop. J'ai raté, j'étais déconcentrée.
Bon, alors je vous montre. Donc là, j'ai pris les quatre photos. Oui. Dans tous les sens. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut voir l'évolution dans le temps. Donc je peux voir quand j'aurais dû retourner chez le coiffeur, retourner faire ma couleur, faire mes racines, etc. Et comme j'ai pris à chaque fois les photos des quatre côtés, je peux voir à quoi ressemble ma coupe de cheveux des quatre côtés. Voilà, par exemple. C'est vraiment bien, pas besoin de toucher la surface. Non, pas besoin de toucher la surface. Par exemple, si vous avez une balance connectée, vous pouvez voir l'évolution de votre poids. Mmh. Si vous avez un bracelet connecté et que vous courez, vous pouvez voir la fréquence cardiaque, les rythmes donc de votre, sommeil. Votre application peut se lier sur, avec plusieurs devices. On a un écosystème de partenaires, on a une plateforme. Donc oui. L'idée pour nous, c'est d'avoir le plus de partenaires IoT possible pour que tous les devices soient compatibles. Donc là, en partenaire, en balance connectée, on a iHealth, Tefal Body Partner, Terrayon. On a les brosses à dents connectées Colibri pour adultes, pour enfants. On a un jeu en réalité augmentée pour les enfants pour apprendre à se brosser les dents. C'est excellent. On a tout un tas de produits. Comme partenaire, on a aussi Snips qui sont aussi sur le salon. Ils sont, Hydrao. Ils sont où? Ils sont pas très loin. Un peu plus loin. Parce que des fois, vous êtes à côté, c'est pour ça que je dis ça. Non, bah, ils sont pas chez Accor. Sinon, on a la chance d'être sur le stand Accor, donc on est vraiment contents. Vous avez été financé par Accor, c'est pour ça ou, pour comment ça se passe sur le salon quand vous êtes proche d'un grand groupe, ça veut dire quoi? En fait, nous on a eu la chance, on s'est lancé au CES en janvier, on est un très très jeune projet. Oui. Là-bas, on a attiré beaucoup de gens de la beauté et des hôtels. Mmh. Et donc voilà, on s'adapte. Ça pourrait se retrouver dans des chambres chez Accor. Ça pourrait se retrouver dans des chambres, dans des espaces spa ou... Voilà, les applications sont multiples. C'est vrai que c'est intéressant de viser les hôtels, ouais. Voilà. Je vous remercie. J'espère très bientôt. Mais merci à vous. Vous pouvez me scanner mon... Absolument. Pour l'application. C'est CareOS. CareOS, l'application disponible sur son téléphone. Pour l'instant, elle est disponible sur l'App Store? Non, très bientôt. C'est en test, c'est pas pour tout le monde, ça? Ça va, ça arrive très 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 bientôt. Vous avez réussi? Oui, ça marche. Tout à fait. Bah voilà, c'est rapide. On reste en contact, moi après je vous dis où est-ce que je poste tout ça. C'est vous filmez plus là. Si je me filme, je continue, j'arrête pas. Sinon je fais des petites vidéos, mais là on est en live. Live, CareOS. Merci. Je fais un plan sur votre logo. Merci. À bientôt en ligne. À bientôt, merci. C'était bien sympathique. Hein. Merci. On apprécie beaucoup. Merci Chloé.